C'est pas vrai? C'est bon, j'y suis arrivé! Qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Oh mec! Calme-toi, j'entends même plus la télé. En plus, je suis sur le dernier épisode de Break the Wake meurt à la fin. Ok, merci bien. Je pense que j'ai plus besoin de regarder l'épisode du coup, grâce à toi. Bref, t'as quoi créé comme ça? T'as découvert le sens de la vie, ou bien? Encore mieux. Tu te souviens que j'avais pour objectif d'avoir le high score sur Starship Evolution? Ah, ouais, ton jeu là, qui nous a coûté deux écrans, deux manettes. Parce que t'es un mauvais perdant. Ouais, exactement. Et ben sache que j'ai fait un max de recherches sur le jeu. Notions d'aléatoire, statistiques, théorie sur l'apparition des ennemis et optimisation du scoring. Je crois que t'oublies quelque chose, c'est que j'ai pas fait LV2 geek au lycée, donc je comprends pas grand-chose à ce que tu me racontes. Mais vas-y, viens-en au fait. Ok, bref. Dis-toi qu'avec toutes ces recherches, couplées à mon génie naturel, j'ai réussi à mettre au point une technique révolutionnaire. Un algorithme 100% fonctionnel qui va m'aider à décrocher le high score, mon pote. Sérieux, mec? Moi, ça a l'air ouf ton truc, même si j'ai pas capté grand-chose, hein, tu me connais. Mais toi, je pense que t'as un potentiel. Un potentiel dans tout ce qui est métier de la recherche. T'es quelqu'un de curieux? T'aimes bien entreprendre des projets aussi originaux soient-ils? Tu devrais peut-être essayer? Ouais. Bah dis-toi que j'y ai pensé, mais je me vois pas traîner dans un labo en blouse blanche à regarder dans un microscope toute la journée, tu vois, c'est pas ouf en fait. Oula, mais mec, t'es loin du compte, hein. C'est pas vraiment ça les métiers de la recherche. En fait, c'est plus complexe que ça. Mais attends, je vais te montrer quelque chose. Ma sœur m'a parlé d'une plateforme de cours en ligne gratuit qui s'appelle FunMOOC, et justement, sur cette plateforme, il y a un MOOC qui parle des métiers de la recherche. Aujourd'hui, en France, plus d'un demi-million de personnes travaillent dans la recherche. Et on estime qu'une personne sur trois est associée à un projet de recherche au cours de sa vie professionnelle. Et plus que jamais aujourd'hui, notre société a besoin de chercheurs et des techniciens et ingénieurs qui les accompagnent pour préparer l'avenir. Et vous, êtes-vous prêt à vous investir et à choisir une voie de formation qui peut changer la vie? Vous êtes curieux? C'est déjà bon signe. Le MOOC Tête Chercheuse va vous initier aux multiples facettes des métiers de la recherche, grâce à des interviews, des rencontres, des articles. Allez, c'est parti! Tu pourrais t'intéresser, non? Ça a l'air cool. Bah écoute, je vais m'inscrire direct. Non, pas tout de suite. Après avoir décroché le high score.